Ça tourne? Ouais. Bienvenue au Inside Montreux Comedy! Ouais! Ouais. Caca! Salut Thomas, moi c'est Marie. Personne ne te force à venir t'installer chez moi. Bon anniversaire. Ben, l'intérêt de montrer son film à Montreux, déjà c'est de faire une avant-première supplémentaire et d'avoir la réaction des gens dans la salle. Et puis c'est des gens qui sont plutôt au départ venus voir des one-man shows, des spectacles vivants, des pièces. Et du coup ça se mélange. C'est éclatant parce que voilà. Montrer son film dans un festival d'humour comme celui de Montreux, qui est hyper connu pour lancer plein d'artistes sur scène, c'est une ouverture à l'humour au cinéma, quoi. Et puis moi j'ai des acteurs dans mon film qui sont des artistes de scène, comme François-Xavier de Maison, comme Pierre Ninet qui est à la Comédie Française. Donc au final, moi ce qui me fait marrer, c'est de présenter mon film dans un festival qui a envie de prendre du plaisir et de se marrer, quoi. Ah oui, si je suis à l'aise, remarquez. Bon, attendez, je vous fais un sketch. Je monte sur scène pour annoncer au public l'absence d'Olivier de Benoist ce soir à la présentation du gala avec Virginie Hoc. Olivier de Benoist n'a pas pu faire de déplacement en Suisse ce soir. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons trouvé le sosie d'Olivier de Benoist. Mais attendez, le sosie en poudre. Regardez, c'est assez tout blanc, on a la même forme de visage, les mêmes cheveux. Par rapport à Olivier, c'est un autre niveau, Pascal Légitimus, tu vois. D'ailleurs, Olivier de Benoist, tant mieux s'il est tombé malade. Légitimus, il est noir, c'est tout. C'est un peu chiant par rapport aux Suisses, ça risque de les choquer. Mais c'est un noir qui a de l'argent. Donc ça va. Penche la guitare, entonner des tambours, moi j'accorde ma basse. Et puis tu lui dis, je sais pas moi, excuse-moi, je pourrais avoir un autographe s'il te plaît? Nous faisons un background de tous les diables. Et lui te répond, ouais, et puis tu peux aussi bien aller te faire enculer. Voilà, ça c'est un groupe de rock. Jouer. Brancher les guitares, le brio. Et rendez-vous demain. Chantez juste, ou chantez fort, je m'en fiche.